Alouette précisément, au téléphone, mais qui se trouvait à 12 km de personne à jamais entendu parler, Oui. avec toujours l'idée que l'expertise que nous avons pu avoir, nous en France, parce que la structure que j'ai montée depuis 3 ans est experte dans certaines matières, notamment la protection de l'enfance. C'est. J'ai vu, j'ai lu, j'ai été dans, sur votre Ah oui, site d'accord. et j'ai vu, j'ai vu ce que vous faites. Donc la protection de l'enfance. Et par là, je vous renvoie la balle, Madame Zerodi. J'ai aussi vu ce que vous avez dit lors d'un sommet, pas de la francophonie, mais des femmes à Paris. Oui, vous m'avez Je écouté parler. vous ai écouté aussi. Oui. Et nous, enfin, ce que nous avons mis en place en France et qui est extrêmement novateur, nous souhaitons, pour faire le lien avec le début de ma conversation, revenir peu à peu vers nos sources. Vous avez dit vous-même, l'Afrique, C'est notre c'est notre continent. continent, et les pays arabes. L'idée que j'ai, c'est que, étant spécialiste de la protection de l'enfance, dans toutes ses déclinaisons, violences sexuelles, toutes les formes de violences, et qui ont un lien aussi avec les femmes, hein, puisque je suis prêt à dire que, aussi bien qu'en Palestine que pour la femme, elle doit être prête à un moment à créer son autodétermination. Et que ça passe par les enfants et la femme. De mettre à votre disposition un ensemble de logistique, mais en même temps, je vais reprendre un de vos mots structurels, c'est-à-dire que de proposer des actions concrètes sur le terrain, mais en même temps qui ne soient pas dans l'idée, je ne rejette pas l'idée de l'ONG dans sa pratique culturelle et avec un voyage humanitaire qui est sur un instant T, mais de proposer des actions qui vont aider localement à structurer à long terme. C'est également le sens de la demande du gouvernement du Sénégal qui m'a demandé justement d'aller à leur rencontre fin novembre pour proposer des actions concrètes pour les enfants et les femmes en montant des structures de type internat, protection de la femme, etc. Et mon souhait, Madame Zerogui, et c'est aussi là la raison pour laquelle je suis venu vous voir, c'est comment aidez-moi à aider sur l'intervention dans des pays que vous jugeriez probant dans le sens où possible en tout cas, hein, sur la mise en place d'actions concrètes, structurelles, former des travailleurs sociaux, mettre en place des structures qui auront vocation à durer des années et leur rendre cette liberté de pouvoir faire par eux-mêmes. Absolument. Alors, je vais vous dire quelque chose. Nous, on travaille sur 23 situations de conflit. Sur les 23 situations de conflit, il y en a 11 qui sont en Afrique, 8 dans le monde arabe, 6 en Asie et un conflit en Amérique latine, la Colombie. Je pense que pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est quand même dans un espace francophone, je suppose, parce que vos experts, ils sont certainement de langue française. Dans l'espace francophone, les pays que nous suivons, il y a le Tchad, il y a la Centrafrique, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali. Ça, c'est déjà 4 pays africains. Il y a bien évidemment pour le monde arabe la Libye, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a le Liban, il y a le Yémen et il y a la Palestine. De mon point de vue, un pays qui réellement manque de tout ça, qui a besoin de cet appui-là, c'est la Centrafrique. C'est vraiment un pays où la France est présente, où l'Union africaine est présente, où les Nations unies sont présentes, mais on commence à peine à faire des choses. L'État a été complètement ravagé. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. C'est les internationaux qui essayent d'aider à mettre en place des mécanismes pour justement, un, faire cesser les violations et puis reconstruire l'État. On a en Centrafrique une petite communauté musulmane et la majorité est chrétienne. Ils ont été manipulés politiquement à se faire mal, à s'entretuer. La majorité de la population de la Centrafrique, c'est des immigrants. Donc, moi, je dirais que si vous pouvez faire quelque chose dans le cadre de ce qui se fait actuellement en Centrafrique,
Ce matin, j'ai assisté à une réunion sur l'assistance psychosociale. C'était le sujet sur le Centrafrique. Une ONG belge qui travaille là-bas depuis longtemps, qui explique ce qu'ils font. Et je pense qu'en Centrafrique, tout est à faire et tout est à refaire. Si vous voulez travailler dans un environnement moins difficile, où il n'y a pas une guerre larvée qui est en train de se mener, vous voulez agir, la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de beaucoup d'appui après la crise qu'ils ont connue. C'est un pays où aussi il y a beaucoup de problèmes de violences sexuelles qui affectent les enfants, sont à une proportion inquiétante. Donc s'il y a un travail à faire, je crois que le gouvernement est ouvert et il y aura des possibilités de travailler. Le Mali est un potentiel énorme pour, une fois que les accords seront signés, je l'espère, pour pouvoir travailler. Donc, pour le moment, le Nord est complètement ravagé avec les attentats terroristes. On a perdu hier encore un peacekeeper, un casque bleu, 8 ont été blessés, c'est le deuxième depuis quelques jours. Donc c'est à vous de me dire où vous pensez pouvoir faire des choses. Vous pouvez être mis en contact avec les personnes sur le terrain, vous pouvez travailler avec les populations qui ont besoin. Voilà, si j'ai une suggestion à faire, ce sont dans ces pays-là. Où il y a des possibilités. Si on cherche à travailler avec un État structuré qui existe, un pays comme le Tchad, un pays comme la Côte d'Ivoire, hein, vous avez parlé du Sénégal, ils ne sont pas sur notre agenda, mais il y a des choses à faire au Sénégal. Le Mali, je pense, c'est un pays dans lequel on peut faire des choses. Si on veut travailler sur une situation de crise pour essayer vraiment de contribuer à reconstruire l'État, la Centrafrique est certainement le niveau privé. Pour l'espace francophone. C'est vrai que ce qui guiderait notre. Nous n'avons pas de choix à faire dans nos actions. Mm. Nous n'avons que des situations qui s'imposent. Mm-hmm. Et il est vrai que dans notre esprit, là où l'enfant souffre le plus, vous voyez, c'est toujours. Parce que nous sommes obligés d'avoir des critères qui ne sont pas subjectifs, enfin qui ne sont pas plutôt objectifs, dans le sens où nous ne ressentons pas la souffrance. Nous la percevons, nous l'évaluons chacun avec nos propres critères. Et évidemment, je m'appuierai sur vous, parce que sur ces actions internationales, même si nous avons des contacts très rapprochés avec le Sénégal, effectivement, ce n'est pas le pays le plus en difficulté. Mais pleine confiance à nos compatriotes. Pleine confiance pour me dire, Janelle, allez là. C'est justement si. Moi, ce que je veux savoir d'abord, c'est comment vous opérez. Vous allez.